Je m'appelle Lilo et j'ai quelque chose à vous dire. La vie réserve plein de surprises. Et chacun de nous vit sa vie de manière bien différente. Les journées se passent les unes après les autres et nous avons parfois du mal à regarder le monde, à regarder les merveilles qui nous entourent. Pour moi, la première merveille, c'est la merveille de la vie. Chaque matin, je vis, je respire, je pense, je comprends que je suis quelqu'un d'unique et je m'émerveille d'être moi. La deuxième, d'après moi, c'est la merveille de l'amour. Je vois que je suis aimée et moi aussi j'aime. Je sais que l'amour, c'est la merveille qui me permet de faire des merveilles. C'est la merveille qui fait battre mon cœur. Et c'est la merveille qui le remplit de soleil. La troisième merveille, c'est la merveille du monde. Quelle merveille que l'univers! Quelle merveille que la terre! Quelle merveille la beauté de la création! Mais en voyant tout cela, je me pose des questions. Pourquoi recevons-nous ces merveilles? D'où viennent-elles? Moi, je crois que toutes ces merveilles n'en forment qu'une. C'est celui qui les fait. C'est Dieu, le merveilleux! Et si on prenait du temps cette année pour regarder de plus près les merveilles que Dieu fait pour nous? Un grand livre parle de Dieu le merveilleux et de toutes les merveilles qu'il fait. C'est la Bible. Les récits de la Bible nous racontent tout cela. Et certains récits sont rassemblés dans le livre que vous pourrez découvrir cette année en venant au KT. Il y a un livre pour découvrir ces merveilles en équipe de KT avec des vidéos. Pour partager, chanter et prier. 5 fêtes rencontres dans l'année. À chaque fois, ça sera la fête. Une belle merveille à vivre tous ensemble. Dieu fait pour nous des merveilles!